Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé ou, pas oublier abonner avec Mombad Media nan. Et puis, ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Sorti dans carnaval pour de paix, au fait dans le département de la Tibonite là. Aïe, dimanche 21 février 2021, yon nacha carnaval yo, tap sorti pot de paix, kasse yon poteau électrique, bon commissariat Gounaïf lan qui a tombé sous yon jeune garçon qui mourit sous place. Yon le chat touye dans zone Lacon, dans l'entrée Nordville Saint-Marc, évangéliste Vladimir Milsan qui mourit sous place. Madame Li, qui était accompagnée li dans une situation extrêmement grave, la pour voir soin dans l'hôpital Saint-Nicolas Saint-Marc. Évangéliste Vladimir mourit qui était quatre petites, parmi eux deux jumeaux. N'a bien plus de détails sous accident si là haut dans le prochain journal sous Radio Pyramide. L'autre nouvelle, moun exam, yo pas arrivé identifié, mais c'est fait dans une machine direction départementale santé publique là, dans le département de la Tibonite, oui, Saint-Charles Gounaïve, hier dimanche 21 février 2021. Imagine ça, qui c'est un Nissan Patrol, imagine ça, qui sont un pick-up, un Toyota, Zoriquin, couleur blanche, qui était dans le service direction centrale, direction sanitaire de la Tibonite là, individu qui commet Zach Sayo, t'es gagné, mouchoir barré figure, ça qui empêchait moun identifier visage, yo. N'a pas appelé moun yo barré identifié, t'es déjà metté du feu, depuis semaine passée, dans le local bureau départemental santé publique, là, côté génératrice, qui était là pour alimenter le local, là, t'es boulé rapide, depuis c'est l'autre bureau l'État, t'as coup tribunal premier instance, Gounaïve, là, tribunal de paix, section sud, avec section nord, ensemble avec le local mairie, qui était déjà passé en bas flamme du feu. N'a pas allé pour toujours pendant le week-end, il y a une grosse tension qui est établie dans la ville de Gounaïve pendant le week-end. Il y a un pile coup de zam automatique qui a chanté tout partout en bas de la ville. Là, si machin qui a commencé à retourner à la vente de marchandises, il a couru dans toutes directions pour ne pas arriver victime. Pendant ça, il y a un exam qui a rigoureuse dans la main, calé si machin qui a dégagé dans la zone marché communal. Information rapportée fait croire, il y a un pile chauffeur taxi moto qui passait en bas coup de rigoureuse pendant le week-end. Ça. D'après William Armand, qui est porte-parole syndicat propriétaire avec chauffeur taxi, moto yo, n'examen yo, accusé chauffeur taxi yo, dès que yo t'a le marché, des présidents républicains Jovenel Moïse, mercredi passé, à un moment, il a visité ville Gounaïve. Porte-parole syndicat, protesté à toute force li contre mauvais actes moun sa yo fè sous chauffeur taxi yo. Li mande pour tout secteur en d'un pays à respecter droit tout moun, j'ai constitution pays en mande ça. Nous invitons à écouter yon bout dans déclaration porte-parole syndicat William Armand. Qui t'a porte-parole là en institution, m'pas qu'à d'accord pour des chauffeurs prennent la ria, pour des chauffeurs et machines prennent la ria, puis à défendre l'argent petit yo. Qu'on a pour caler, quel que soit dans quel n'importe secteur de qui était dans opposition, qui était dans pouvoir, ou prend igoise ou caler, moi-même personnel, étant que être humain, étant que porte-parole syndicat, pas qu'à condamner ça, qu'on aime pas mon nom, pas qu'à d'accord pour que chauffeur prend la rue à la chercher l'argent petit li madame ni gon secteur, même si nous t'es apaté avec secteur ça, pour le prendre igoise, pour le caler, moi pour pas condamner, tout le monde a droit. Doit côté droit commencer doit l'autre monde fini, ça veut dire tout le monde a droit liberté pour choisir position vous voulez. La constitution 87 il dit ça, ça veut dire hier nous joignent en pile témoignage, en pile rapport, en pile plainte porté nous état qui syndicaliste qui yo prend un chauffeur taxi prend coutigoise et do yo marqué yo a les armes sous yo dit que yo té wè non Jovenel et yo en affaire avec chauffeur taxi en affaire. Même penser yon pays pas ka fonctionner comme ça. C'est vrai moun gen droit pour dire Alba Jovenel comme ça, tout li gen droit pour dire vive Jovenel. Moi même pas gen problème ça, ça veut dire chaque moun gen opinion yo, mais moi condamner ça sous quelle que soit forme niée, sous quelle que soit cité opposition que fait, moins condamné. Même si c'est pouvoir que fait, moins condamné pour que moun prenne igoise pour caler chauffeur taxi. Moi-même, ça, j'étais vraiment fait triste, même temps de ça, là, on vient porter plainte de ça. Étant que syndicaliste, étant que responsable, moun cap défendre droit chauffeur yo, moi-même. Vous avez besoin d'écouter William Armand, qui c'est porte-parole
syndicat chauffeur taxi dans ville Gonaïves qui t'a réagi face à situation ça et ta victime pendant week-end côté nèg exam t'es ronflé plusieurs chauffeurs taxi à cause de t'ai participé dans délégation en quoi de visite président République Jovenel Moïse a fait mercredi passé à dans centrale électrique Simon Bolivar là elle était visiter ville là. L'autre nouvelle, analyste politique Dali Valère fait connaître dossier Haïti a semblé gagner l'autre direction la prend pour lui-même qui marche sur le plan international. Dali Valère qui sont journalistes fait connaître déclaration madame Julie Chang qui est secrétaire d'État en après dans affaires historiques occidentales en département d'État qui c'est et ministère des Affaires étrangères américain montre États-Unis pas prêter bois croisé à regarder ce qui a passé en dans pays d'Haïti. Analyste politique l'angle était quoi question violation droit mounio qui a fait chaque jour coulier là dans pays d'Haïti sous plan international à corruption pas joué en faveur équipe PHTK qui sous pouvoir dans dimension crise haïtienne apprend sur le plan international. Nous avons donc écouté journaliste haïtien Dali Valère également qui c'est un analyste politique. Son évolution majeure, position responsable département d'État, je crois avoir dit à Kiskia que le dossier haïtien, notamment les dernières déclarations de M. Price, le porte-parole, ne pas correspondre à une politique étrangère américaine de nouvelle administration Biden a défini pour Haïti, c'est pas ça du tout. Donc il y a tout simplement que j'étais fait couvrir la Maison Blanche, je peux faire top sous dossier haïtien, et puis les vrais rapports, je peux pas accès à eux-mêmes. Donc maintenant, la presse a parlé de dossier, hein. Ce dossier dans les médias internationaux au Canada, aux États-Unis, en Europe. C'est le même dossier que nous avons dans l'administration Trump, le dossier haïtien aujourd'hui. Je trouve que moi, anglais, l'utilise là. Il dit que il va prêter silent, c'est un même de bouche là. Il dit qu'il y a un bon cœur là. C'est comme si son haïtien était dit que je vais prêter bouche bée, des bras croisés, à regarder ce qui a passé à Haïti. Donc c'est très très important parce que, avec Trump, comme je t'avais dit, et mon cher Vladimir, c'est qu'il y a un huis clos haïtien. Okay? Les États-Unis qui quittent les Haïtiens ont un huis clos. L'opposition à la société civile qui tape que l'on doit faire avec le pouvoir de M. Jovenel Moïse. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Donc, il y a un observateur, je dirais, concerné, un observateur qui se dit concerné de la situation haïtienne, qui est un acteur majeur en parlant des États-Unis. Et remarque qu'on bagage ses responsables émissaires occidentales, là, j'avais dit que région côté Noéa, en géopolitique américaine, non, il fait déclaration de quelque part Haïti sur la loupe. Rien ne sera comme avant. Aujourd'hui, nous avons affaire à un autre dossier et le dossier haïtien redevient un dossier vraiment américain en termes de géopolitique. Il y a une raison qui fait que le dossier haïtien, américain, n'a jamais défini vite sur lui. Raison très simple. C'est parce que, automatiquement, il mettait pied dans le dossier, pour mettre là-dedans à fond. Il va jamais qu'à mettre là demi. Donc, son dossier compliqué, que ce soit au niveau interne, que ce soit au niveau international, parce que son dossier qui est récurrent, dans ce scène international là, avec tous ces problèmes, tous ces travers, il fait que son labour est très chaud, et pour tout le monde, que ce soit pour Haïti, que ce soit pour l'international, pour mon côté poubelle. Donc, ce n'est plus un dossier inter-haïtien, c'est devenu vraiment un dossier international avec une crise qui devient de plus exacerbée et puis l'international qui se montre de plus en plus préoccupé, notamment par la question des droits humains. C'est ce dossier des droits humains qui parle pour le gouvernement, ça, et M. Franck Labu, Baboy. Maintenant, il y a un autre dossier encore qui parle prendre à temps noir, ça encore, c'est la question de la corruption. Il y a une lettre de Mme Gongoa, Maxime Waters, qui dans cette semaine dans la loi Rail, demandé pour le gouvernement américain, activé de Manifesti Act. Manifesti Act, là, sont actes que les États-Unis votaient, de leur nom, leur avocat russe, Vladimir Poutine, là, qui tape gourmet contre corruption, notamment au niveau de la au niveau de fiscalité, pays ça. Je devais mourir après ça. Donc, on y a son instrument légal qui votait, promulgué aux États-Unis, qui vient tourner un instrument pour combattre la corruption à travers le monde. Et côté non, monsieur, ça. Et actif, ça, que Mme Waters écrit, il dit que Fokio, activé dossier ça contre les types du pouvoir en place parce qu'il y a des dossiers, je dirais, bon, d'après Maxime Waters, de corruption assez avérée, mais en Haïti, il y a un cas devenu de notoriété publique, de désordre, détournement sérieux de biens publics. La politique, c'est aussi un rapport d'intelligence, c'est pas seulement un rapport de force. Autrement dit, et les acteurs haïtiens sont supposés tenir compte de l'évolution majeure, ça. Mais il n'est pas supposé le principal déterminant dans leur tactique et stratégie politique parce que, en anglais, il y a qui dit all politics is local. Ça veut dire que toute politique, c'est d'abord une affaire locale. C'est aux Haïtiens d'abord, au secteur politique, aux forces vives de la nation qui peuvent jouer un rôle, qui peuvent prendre des destins en main, évidemment avec l'accompagnement de l'international.
police nationale d'Haïti assume responsabilité. Le policier n'a pas le droit d'exécuter aucun ordre manifestement illégal. Toute manifestation qu'a fait conformément à la loi, la police a une responsabilité pour protéger les manifestants, pour protéger la vie, pour protéger bien le monde à l'occasion de manifestation. Malheur aux policiers qui quittent le pouvoir blanc, à le mettre en affaire de pression sur le monde. Je demande à tous les policiers d'être responsables. La police est une force républicaine et nous connaissons la majorité policière pas accepter rentrer dans des ordres. C'est vrai qu'il y a quelques policiers qui rentrent dans des ordres qui quittent Jovenel Moïse. Mais n'est-ce pas la répression, mais malheur à eux-mêmes. Et nous demandons à tous les policiers de comporter au bien parce que la police, son institution républicaine de maintien d'ordre, n'est pas qu'à nommer pouvoir, n'est pas qu'à nommer opposition. Le boussole, ça qui doit boussoler un policier, c'est la loi. C'est la justice. C'est ça qui doit boussoler. C'est les bouquins Benamon, l'on va pas agir pour ces polices. Je dis à nous très fiers au niveau de l'opposition. En ce qui concerne la marge de la mobilisation, nous constatons mobilisation, je dis à multiforme et multisectorielle. Je dis à, c'est pas seulement opposition qui a fait mobilisation. C'est pas comité mobilisation qui a fait mobilisation. C'est tout pays à qui rentre dans la mobilisation. C'est le pays dans sa diversité, je dis à la mobilisation. Chauffeur motocyclette, protestant, fédération barreau, au groupe droits humains, syndicalistes, professeurs d'école, paysans, jeunes femmes, tout le monde rentre dans la mobilisation pour respect de la constitution. Lundi, c'est syndicat. Motocyclette, chauffeur motocyclette, pour faire manifestation, pour faire solidarité avec Zamio, Camaradio, qui était assassiné le 14 février 2021 dans Delma 95. C'est une très bonne chose. Dimanche 28, c'est pasteur protestant qui prend l'initiative là, avec Fédération des barreaux, avec groupe droits humains, syndicalistes. Jodia, la mobilisation est multisectorielle. C'est tout secteur dans le pays, diaspora. T'es dans la rue au Canada vendredi et qui débarque, qui passe là. Bref, c'est tout le monde qui est en mobilisation et nous très fiers de ça. Nous remets ça en pile parce que on va parler de défendre démocratie, défendre constitution. C'est pas affaire opposition, c'est affaire tout le monde. Ak dossier éducation, n'a démarré deuxième tranche là. N'a besoin responsable éducation dans le département de la Tibonite là. Professeur École Renoir, fait qu'on est l'école là, pas jamais fermé dans le pays d'Haïti. C'est plutôt une conjoncture politique qui la cause de quelques gros villes pays. Dans le pays, l'école là, t'arrive bloquée. Dans ce sens, le directeur départemental éducation a demandé à tout directeur pour reprendre posture pour permettre porte l'école yo, ou elle ouvrit pour recevoir Timonio. Si toutefois, un environnement politique là, campé. Pour directeur Renoir, mandé population, mandé compréhension, pardon, tout le monde pour établir bonnes conditions nécessaires pour l'école capable de fonctionner dans tout département. Professeur École Renoir. Je vous rappelle que l'école là, Anissa, a été l'ouvrie le 9 novembre 2020. Et Couillot est venu reprendre après vacances fin d'année, 4 janvier 2021. Carnaval. Et mercredi descend, donc d'après calendrier, c'est à 15, 16, 17. Et nous gagnons tout, première session bac permanent qui prévoit pour 15 ou 16 mars. Nous gagnons examen 9e année qui doit être fait le 12, du 12 au 14 juillet. Et nous gagnons examen. ENI, École Normale de Sécurité, CEF, CEF là c'est Centre d'éducation familiale, qui prévoit fête du 12 au 15 juillet. Ensuite, nous avons un baccalauréat, qui s'est fait d'études secondaires, qui prévoit fête du 26 au 30 juillet. Donc, année scolaire ça, il gagnait 172 jours de classe. C'est ça qui te prévoit. Li soit 860 heures d'enseignement pour le fondamental et 1032 heures pour le secondaire. Donc, par rapport avec Datsayo que nous sommes rappelés là, nous faisons des constats. Ça nous constate. Nous constatons qu'il y a plus que 12 jours de classe qui sont perdus à cause des troubles politiques. Nous avons
nous constatons tout activité scolaire ralentit considérablement. Surtout dans deux grandes villes, dans deux plus grandes villes département, qui c'est Saint-Marc et puis Gonaïve. L'école n'a pas fonctionné presque pendant 12 jours dans deux grandes villes, ça y a aucune autre cité là. Et nous avons tout et verrait que l'activité allait au ralenti. Mais dans 13 BDS, pas oublier le département a 16 BDS, 16 districts scolaires, et parmi 16 districts scolaires, ça y a 13 districts, l'école là fonctionnait normalement. 3 autres BDS, yo, donc élèves, ils sont censés en retard. Professeurs, ils sont même en retard. Donc ça, lui-même, il interpellé et conscience nous toutes comme acteurs. Donc, là, c'est ça, nous demandons avec tout acteur pour travailler, pour œuvrer à ce que l'activité scolaire reprenne normalement. Et nous demandons pour respecter le droit à l'éducation des élèves. Donc, si nous avons le droit pour aller à l'école, là, nous faisons arrêter la caille, c'est le droit qui est violé. Nous demandons tout pour tout le monde, tout acteur concerné, travaille à la création d'un environnement propice à l'apprentissage. Inspecteur Nouyo, directeur Nouyo et professeur, nous demandons tout pour être présent dans le poste respectif. Donc, toute l'école doit toujours être ouverte. Donc, faut certainement, une fois que condition ça yo même yo créé, donc nous pensons que tout le monde a reprendre chemin l'école normalement. Donc le directeur départemental éducation de la Tibonite, professeur École Renoir, qui fait un rappel sur le calendrier scolaire pour l'année 2020. Le directeur départemental déclaré élève l'école a perdu pour 12 jours l'école à cause du mouvement politique. L'histoire d'éducation de département de la Tibonite fait connaître, c'est dans trois côtés, dans tout département, activité de l'école est arrivée paralysée, c'est Gonaïve, Saint-Marc et Verrette. Après qu'on s'en fait, on prend décision pour 3 BDS qui participent à fonctionner, on prend activité scolaire bien vite, de façon à ce que petit monde soit capable de bénéficier tout acte l'école. Nous avons responsable d'éducation, le département de la Tibonite, fait qu'on est l'école là, pas de jambes arrivé à fermer tout bon vrai dans tout le pays, mais plutôt c'est dans 3 communes dans le département. Je vois dans le là, c'est Gonaïve, Saint-Marc, Ak, Verrette, et elle m'a dit compréhension tout le monde pour capable rebalancer l'éducation, ou encore, bah, bon, les conditions nécessaires pour l'école là capable de vivre ou redémarrer comme ça doit dans 3 côtés, ça y est. En écoutez, pour une deuxième fois, professeur École Renoir. N'a pas rappelé nous que l'école là, Anissa, elle était l'ouvrie le 9 novembre 2020. Et Kouyo te vin reprendre après vacances fin d'année 4 janvier 2021. Carnaval et mercredi descend, donc d'après calendrier, c'est à 15, 16, 17. Et nous gagnons tout. Première session bac permanent qui prévoit pour 15 ou 16 mars. Nous avons examen 9e année qui doit être fait le 12 au 14 juillet. Et nous avons examen ENI, École Normale de Sécuritaire, CEF. CEF là, c'est Centre d'éducation familiale qui prévoit fête du 12 au 15 juillet. Ensuite, nous avons un baccalauréat qui s'est fait d'études secondaires qui prévoit fête du 26 au 30 juillet. Donc, année scolaire, ça a gagné 172 jours de classe. C'est ça qui te prévoit. Soit 860 heures d'enseignement pour le fondamental et 1032 heures pour le secondaire. Donc, par rapport avec Datsayo que nous sommes rappelés là, nous faisons des constats. Ça nous constatons qu'il y a plus que 12 jours de classe qui sont perdus à cause des troubles politiques. Nous gagnons
nous constatons tout activité scolaire ralentit considérablement. Surtout dans deux grandes villes, dans deux plus grandes villes du département, qui c'est Saint-Marc et puis Gonaïves. L'école n'a pas fonctionné presque pendant 12 jours dans deux grandes villes qui nous cité là. Et nous avons tout et verrait que l'activité allait au ralenti. Vous avez écouté le directeur du département de l'éducation dans la Tibonite, professeur École Renoir, qui souhaitait que la situation politique dans Fokampo, de façon à ce que pour l'école, l'on capable de prendre comme ça droit dans tout département, et particulièrement dans Gonaïves, Saint-Marc, Agverette, à côté, il est arrivé campé depuis quelques jours. N'a pas tourné dans le dossier politique pour nous responsable communication, table concertation dans Bala Tibonite, là, Jean-Pierre Kervens, dit à protocoler dans tout mouvement qu'a fait contre régime en place, là. Pour responsable communication, table concertation dans Bala Tibonite, là, M. Kervens, jour de délivrance peuple haïtien pas trop loin pour arriver, mais faut que population continue à résister dans la bataille contre dictature dans le pays d'Haïti. Le reportage avec collaborateur nous, Milsa Madeus. Jean Dessalines dit, après tout ça, les autres fait dans le sud, si les citoyens ne vont pas soulever contre lui, qu'on ne va pas. Nous-mêmes nous disons, chaque fois que nous avons chance pour nous lever dans le pays, nous avons un ancien président Jovenel dans le palais national, ça montre à clair, il y a une détermination que la bataille va comprendre. Ça, cette déclaration, responsable communication, table concertation de la Tibonite, là, Jean-Pierre Kervens, qui qualifie Jovenel Moïse comme un ancien président qui a dirigé le pays illégalement. Responsable communication table concertation dans la région, hein, Jean-Pierre Kervens, fait connaître, lui considérer président Jovenel Moïse comme un cadavre politique qui va obliger courir quitter palais à non titan qui va trop long. Nous-mêmes nous considérons Jovenel Moïse comme un mort. Donc c'est même gens qui sont capables de dire, l'autre est dans la réalité pays où, ça qu'on y vit des fois, il va l'entrer au mort et puis où, et apparemment, cadavre là, donc pas décidé d'aller. Mais il y a des gens qui comptent maintenant, qui ont demandé le coup de Jean-Jacques pour le faire aller. Donc nous-mêmes nous clairons pour nous dire, Jovenel Moïse est du passé, son mort, sur quelle que soit forme, non, nous-mêmes nous clairons pour nous dire, Abraham dit cela, c'est le plus vite que possible, nous paguons quelle raison ce Benza pour continuer à rester dans le palais national à Jovenel Moïse, quelle que soit forme, nous-mêmes nous demandons des populations, hein, fait tout ça qu'on est, donc pour le mettre Jovenel Moïse, d'ailleurs, dans le palais national, ça va permettre que nous gagnions on l'autre l'État, on l'État qui est capable de répondre avec tout le besoin petit lit, on l'État qui est capable de chita pour que nous fassions une transition réelle, une transition de rupture, qui est capable de mener nous dans l'autre circonstance et par rapport à l'agenda auparavant. Et c'est ça que fait nous dire à travers tout le pays, même Jean-Port-de-Brest est en lancé, nous-mêmes nous accommodons avec sa Port-de-Brest d'IA et que nous demandons tout le reste pays pour lever campé, donc pour nous continuer à demander et qu'il paye Jovenel Moïse, ancien président, pour lui quitter le palais national, pour permettre cette fois-ci nous aller mettre exactement président Mécène. Dirigeant politique là, Jean-Pierre Kervens, mandé tout secteur dans le pays à porter coller dans tout mouvement qui lance contre présence équipe PHTK qui toujours occupé par le national là. Merci Madeus, directeur exécutif Réseau National pour défendre le droit Mounio, Pierre Espérance. Fait qu'on est à kidnapping qui fait dans le pays, hein, son arme pour voir Jovenel Moïse là, utiliser pour la guerre la pérèse dans la population hein, pour dictature Capi Benchita. Pierre Espérance des citoyens ont levé campé pour faire plan ça échouer. Défenseur droit Mounio prévoit c'est plus gros malais qui a tombé sous tête pays d'Haïti si population croise bral, quitte pouvoir, changer constitution et puis organiser élection en d'un pays d'Haïti. Pierre Espérance. Papa bon nous rien jodia en Haïti, nous en dictature et nous pas dans l'état des droits côté que toute institution yo en bas main exécutif de facto. Toute menace, intimidation et président de facto a fait sous et moun en dans pays a et menace sa yo li brandi arista midi la parité ou bien la boye mandat. Donc, ça n'a pas vu le jour de nous par exemple vivons depuis 1986. Jodia, nous en dictature, pouvoir mettre une insécurité d'État, et c'est insécurité d'État, ça, ils voulaient imposer nous en un pays. Nous-mêmes, Pepe Haïtien fait choix en 1986. L'Elte pour l'ancien dictateur, il fait choix état des droits, il fait choix démocratie. Donc, nous n'est pas capable, jour et jour, de pour nous vivre, et j'en ai là. Il est important pour la population qu'on ait que question insécurité, kidnapping, qui n'a vive, je ne j'ai dit, absence et institution, pour la police là, avec la justice là, qui pouvoir instrumentaliser, donc, faut que nous défendons droit nous.
pour nous défendre dignité nous en tant que monde, faut que nous défendre constitution nous, faut que nous combattre dictature. Et puis gros malheur qu'a prouvé peuple haïtien pendant l'année 2021. C'est si nous croiser pour être nous n'accepter que on change constitution avec élection. Donc laisse ça nous prendre la piste et stabilité. Élections sont processus démocratique qui permettent que les citoyens soient capables de choisir librement et candidats ou même qu'à faire campagne. Jodi, 85% dans le territoire pays dans l'électorat, ils ont gagné. Donc, comment nous ne pas qu'à vivre? Nous pas qu'à vivre. Donc, prépare ici un possible pour lever, camper. Camper pour défendre acquis démocratique. Est-ce que vous même comme citoyen, je ne dis pas reconnaître qu'il n'y a pas de répression politique? Est-ce que je ne dis pas de persécution politique en deux pays? Est-ce que la police est capable de faire travailler avec toute indépendance? Regardez les journalistes pareils dans la RIA. Depuis janvier, privé journée je dis à pouvoir, mettons état de siège. Côté que nous-mêmes journalistes, il y a tiré sous nous. Nous souhaitons que nous-mêmes journalistes ne pas faire nous complices de pouvoir. C'est pour nous lever, camper. Journalistes, la presse à ses oreilles, zi population. Hein. Ou même regardez par les journalistes qui victimes, même la cap victime dans la ria, même la population. Hein. Depuis janvier, pouvoir mettre au état de siège. Combien de policiers, inspection générale de la police a dit, yo amené enquête sur nous, ou bien combien arrêté? Nous en dictature, pas de la justice. Donc, je dis à la justice haïtienne n'a pas fonctionné. Les campés, c'est pour nous gommer, c'est pour nous battre, pour nous défendre acquis démocratique. Sous mon palier, conseiller président de la République, qui est même temps secrétaire général primature, Jules-Charles Faustin, qualifié comme un outil politique, phénomène kidnapping, qui a valé terrain chaque jour dans le pays d'Haïti. Conseiller président veut la guerre responsabilité phénomène ça sous dos opposition. Selon Jules-Charles Faustin, c'est opposition qui veut soulever quoi les citoyens contre le pouvoir central qui fait que il a fait ça kidnapping. Son phénomène qui pas daté aujourd'hui, son phénomène qui daté longtemps, mais en période, nous songeons en 2004, c'est une situation comme ça qui était dans le pays, mais effectivement, et directeur général de la police tournée là, monsieur était censé résoudre le problème ça dans le pays. Après ça, dans l'année après, il y a quelqu'un qui tapait, nous avons même gagné même dans le secteur privé qui a kidnappé le monde et dans le secteur privé pareil. Ok? Donc, là, ça, nous songeons l'histoire de Coralie et d'autres. Ouais, et M. Brandt qui est encore en prison aujourd'hui. Donc, son situation qu'il a depuis quelques temps. Mais, dernière période de cette vie-là, pour nous arriver à février 2021, c'est une situation, côté kidnapping, c'est purement politique. Mais, là, il y a un peu de temps à l'école, on peut voir que kidnapping, il y a un peu de gens, il y a un peu de zones, et puis il y a mobilisé les zones pour bloquer les routes. C'est une tentative de pays local que les autres avaient utilisé à travers le kidnapping. Je dis à clair, bon, ancien magistrat et Port-au-Prince, que je vois là, qu'a dit que je vois une connivence avec groupe ça y est, tout cas, kidnapper le monde. Ok? Donc, je dis à clair que le kidnapping, il y a un gros aspect politique là-dedans. Il y a des gens qui utilisent pour sauver la population haïtienne. Ils ont utilisé le jeudi comme ZAM, parce que comme je dis, quel que soit bagaille dans l'opposition à faire, il y a tout cherché un gens pour et habiller, pour faire le semblant à pouvoir. Mais qui nous n'a pas pouvoir aujourd'hui? Qui nous a dit indexé comme monde qui n'a pas mouvement kidnapping en Haïti? Est-ce que nous n'avons pas pouvoir? C'est la question qu'on me pose. Est-ce que nous connaissons que nous n'avons pas pouvoir aujourd'hui qui a monitoré cette affaire de kidnapping? Donc, je dis à l'éclair contre le corps. Nous sommes au kidnapping politique que nous avons monté dans le pays. Et nous avons monté mon seul souci pour être capable de sauver le peuple haïtien. Et nous avons malheureusement, c'était bien compté mal. Nous avons maintenant bien soulevé le contrôle de la violence légale. La violence légale. Dans tout pays sous la terre, la police, l'armée, sont là pour être capable d'empêcher bien de problèmes qui viennent. Un pays comme les États-Unis, son pays tellement bien mesure de sécurité. Mais ça n'a pas empêché, et on est capable d'amener l'entrée dans l'école, de tomber tiré, tuer professeur, tuer élève, et de condamner l'histoire par au fait aux États-Unis. Donc, ça veut dire que, je vous dis, en Haïti, côté nous gagnons environ 15 à 16 000 policiers, pour une population d'environ 12 millions d'habitants, nous connaissons sur le plan effectif,
nous avons un problème là. Mais si nous regardons tout, nous avons théorisé la population, soit dans le groupe gang, nous avons regardé les gazelles, les sapates, qui ont essayé de s'amener. Mais nous avons presque demandé que les armes soient sorties. On a écouté Jude Charles Faustin, qui est conseiller président de la République, là, puis également secrétaire général prémature. Charles Faustin, tu as parlé sur le kidnapping, dans le quoi que c'est un acte politique que l'opposition a utilisé contre le président de la République. Là. Pendant ce temps, acteur a couteau tiré sur la question kidnapping, la population continue à victime, on a signalé pour vous, gagné deux Dominicains avec un Haïtien qui t'a déroulé un film dans Jacques Mel qui ont kidnappé dans la zone Carrefour dans Port-au-Prince. Et qu'on y a là, il y a seulement de plus passer $200,000 américains pour être capable de libérer. Le président dominicain, Luis Abinader, mandé ministre des Affaires étrangères, République dominicaine, pour être en contact serré avec dirigeants haïtiens pour être capable de joindre libération. Pressé, deux ressortissants dominicains. On a signalé avant ça, gagne un petit 5 l'année que maman a vendu pistache que yo te kidnappé n'importe quoi dans zone Carrefour et yo arrivé assassiner Timon Zaire d'abord venir son pile fatra toujours dans zone Carrefour mais qui dit que pour t'ab dominer actualité à journal là. Nous avons plusieurs dizaines de milliers de monde qui ont foulé béton hier dimanche 21 février 2021 dans la capitale pays en Port-au-Prince sous l'initiative étudiant pour demander départ du président de la République, Jovenel Moïse, sous pouvoir. Dizaine Jean-Louis avec Abel Loreston qui a participé à la manifestation là, a dénoncé le président de la République, Jovenel Moïse, qui a toujours été dans le palais malgré le mandat fini depuis 7 février 2021. Artiste Barricade Crou isolant qui a démarré la manifestation en place Saint-Anne, dénoncé persécution pour voir Jovenel Moïse a fait contre ancien magistrat de Port-au-Prince, Youri Chevry, qui trouvait le caché dans la République dominicaine. Votre parole secteur démocratique, la sous-bopal, à populaire, M. André Michel, président de la population, cap choisi pour les bétons chaque jour plus, pour faire gros mobilisation pour pousser le président républicain Jovenel Moïse quitter palais. Alors, ce carnaval a fini, n'a pas de paix, mais il continue à faire victime. Deux mouns mourir, un autre blessé, c'est bilan. Passage chat qui sort dans le carnaval pas de paix. Ils ont fait dans le département de la Tibonite hier dimanche 21 février 2021. Ils ont chaque carnaval qui a sorti pas de paix, cassé un poteau électrique pour le commissaire Yagounaïv qui a tombé sous tête d'un jeune garçon qui mourit tête noire. Même Jean Tour gagné évangéliste Vladimir Milsan qui mourit sous place dans l'entrée nord ville Saint-Marc. Examen, ils pas arrivé à identifier, mettait du feu dans une machine direction du département de la sanité de la Tibonite dans où c'est Charles Gounaïv hier dimanche 21 février 2021. Gros tension établi dans la ville là pendant tout le week-end là quand un pile coup de zame automatique tap chanté tout partout en bas la ville là. Si machin yo qui te commencé à retourner à vendre machin yo tap couru dans toute direction pour pas victime pendant ce temps ça nèg exam qui te gen rigoise dans mais yo te calé ti machin yo qui tap dégagé dans zone marché communal là. L'autre information fait quoi tout que chauffeur taxi yo te passé en bas bon coup de rigoise pendant tout le week-end là à cause yo te participé dans défilé non, deux président républicain Jovenel Moïse, mercredi passé, l'heure d'après aller dans la centrale électrique Simon Bolivar. Là. Ancien analyste politique et puis ancien journaliste Dali Valet, fait connaître le dossier Haïti a pris une autre dimension sur le plan international. Côté que déclaration Julie Chang a fait Woodley, dit quoi que les États-Unis pas prêté bois croisé pour la garder sa capacité dans un pays. Hein. Elle croit que pour gagner gros réaction beaucoup de communautés internationales, hein, surtout dans la question de violation de droit monde avec corruption qui a valé terrain en d'un pouvoir PHTK. Eh bien, pour aujourd'hui, hein, nous sommes capables de dire que l'activité est complètement paralysée là, le matériel dans le moment de la parole là, complètement avec vos déclarations. Des nouveaux délégués avaient fait pour porter contre l'ouvre aujourd'hui lundi, eh bien, ça va faire non, allez. Et majorité porte contre le passé, qui était l'école publique, qui était l'école privée, qui était fermée. Pas une école qui a fonctionné là, même dans le journal. Pas état là, même. Il fait 8 heures, même il aime pas l'école. Même il aime pas même en civil. On a donc que pour l'école. Donc, pas une activité l'école là même. Vous pouvez pas attendre de nouveaux délégués à la Lyon-Tour. Et puisque pas une école qui fonctionne du matin, parce qu'il va passer ici. Premier test à l'Albassel, il va passer. Deuxièmement, pour acheter activité dans le niveau commerce là, majorité commerce, dépôt, magasin, dans le centre-ville là, tout fermé. Nous allons ouvrir matin. Et nous, avec machin, qui est aux alentours de marché avec là, mais il y a des papiers dans tout, pas que marché en pour l'envie, puisque nous constatons que les plusieurs policiers, tout le monde,
bien côté soudain, donc ça empêche et active. Même pas de bien, mais pas de matériel soudain. Il y a plusieurs policiers qui sont en position dans les zones soudain, ou plusieurs policiers positionnés dans des plus. Donc ça fait, oui, la gare est constatée. Mais il y a un panier machin d'aime, panier cambus, panier activé ça même. Nous sommes capables de dire que vous pouvez venir dans la rue Fabien Prenant, complètement mort. Même Gamine n'est pas venu vivre. Okay. Donc, c'est comme tu dis, c'est que tout mon problème matériel là, il ne peut pas venir. Pour moi, on a parlé là à 8h du matin, il n'y a pas de réponse là, même dans cette rue là. Donc, deux femmes sont là où il y a le complètement vide. C'est venu jusqu'en bas, dans le dernier barricade là, qui est allé du monde de l'hôpital contre l'action, parce qu'il n'y a pas de moyens encore. Nous avons dit que c'est ce qui est mais les gens ne sont pas en chaîne de commercial qui ont été ouvert même matin dans cette ville-là. Tout est fermé. Donc, pas de moyens pour avoir aucun transaction bancaire matin dans la ville-là, aujourd'hui, le dire. Nous parlons tout de l'activité pour les magasins jusqu'à présent, ils ont été fermés. Je parle oui, pas de aucun bon magasin dans la ville de Naïs, si vous voulez, alors matin dans cette ville-là. Pourtant, l'activité a fonctionné dans deux points dans la ville. Là. Dans le point de la ville, il n'y a pas d'école, mais il y a activité commerciale. Dans le point de la ville, il n'y a pas d'école tout. Alors, je parle de l'autre pour dans une des cas pour y aller, pour goûter, pas d'école, mais il y a activité commerciale qui a fonctionné. Sur cette date-là, pratiquement des personnes qui étaient au NA, même si on a un bon portant au NA, qui n'y a pas d'école, pas fonctionné. Et je veux dire, incroyable, mais vrai, et si ça n'est pas tout là, nous nous arrivons dans la rue en Wallet. Et ce qui ça n'est pas qui est là? L'île arrive sur la rue. Nous devons fonctionner. Mais l'île, en tant que ça qui est dans une époque qui est sur la rue, arrive sur la rue. Nous avons besoin de faire des actions, mais en bas, pas de activité. Dans toute la rue, il y a un peu de place pour les vidéos. Et dans le moment d'après la limite, l'activité bancaire là pour qu'on oublie. Maintenant, on regarde comment on a tout taillé pratiquement pas de gaz, le gaz a toujours été un peu de luxe. Et pas d'activité ça dans la rue. Et bien, moi, je marche une tour comme si il est matin dans le temps de Bouraï. C'est pas assez constat que le fait. Nous, bien sûr, on a un taxi moto, malgré qu'il y a un peu de l'adéo qui a plein de fait qu'il y a des points de toile, mais au plus, c'est quand même dans la rue, il a fonctionné normal. Nous avons une activité de nous, nous sommes différents de nos sortes de nos. Et pour assurer le banquier dans notre ville là, le problème n'est pas paralysé, il ne pas fonctionner la fait. Pour notre activité, il y a pour avec les commerçants dans notre ville là, il ne pas fonctionner tout. Marché à la place, la travail ralenti, c'est vrai qu'il y a une machine, mais pas de quoi activité. L'école là toujours fermé, même bagarre, toute porte l'école ferme. Bagarre à faire activité l'école là, même dans la ville de Naïve. On va besoin de dire, il n'est pas fonctionné, toujours les lundiens, sans que le nouveau délégué a été espéré que l'école n'a pas l'ouvrir matin, même souhaité que de même ordonner à Kwaranyo pour la rue pour aller l'école. Kwaranyo pour raison pour l'autre, il n'est pas fait la gala là, il n'est pas. Donc ça veut dire que l'école là n'est pas fonctionné matin. En gros, c'est Sandy Wallens, c'est situation ça, et m'a bien dit, il n'est pas seulement l'école privée qui n'a pas fonctionné, l'école publique tout n'a pas fonctionné. Donc, pas ni école privée ni école publique qui a fonctionné matin. Donc, pas d'activité même dans chaque débrouille avec l'école là. Donc, c'est comme ça que c'est maintenant levé là. Et hier, nous connaissons un gros incident qui vient dans la ville de Naïve. Une machine, et direction de la compte à la santé, boule rapide dans la rue Saint-Charles. Vous dites que c'est un petit bac à y mettre. Donc, c'est ça qui est comme information. Mais après ça, nous avons deux villes à lever. Le moment n'a pas de là, il calme. Et pas une aucune activité vraiment qui a fonctionné très fort dans la ville de Naïve. Tout le monde est déjà en P4 dans la photo ville là. Pour ne plus après les autres activités dans l'autre zone. Bon, je voulais parler de zone DKO, Bigo, zone Cassoxirène, Route d'Ap,
depuis l'activité de l'activité au géré, et le géré dans la ville là. Qui est fait ça gagner, économiquement parlant, puisque c'est en bas 120 000 là pour traîner, c'est en bas de gros magasins, c'est en bas de la vie, et bien, ville là, tout le monde, les se bloquer, n'est pas qu'à expirer, automatiquement, ville là capable de mourir tout fait. Parce qu'elle n'est pas venue pour l'expirer. Et une fois que l'activité commerciale, l'activité bancaire, la vie sociale et économique dans le Gonaïve complètement paralysée, ou est déjà correcte, conséquence, libérale gagnée sur la population. Voilà mon cher ami Wallen Suri, et comment la situation de Gonaïve est levée pour journée lundi 22 février 2021, Yoville, qui a fonctionné dans deux prêtres. En même temps, pas forcément. En même temps, où elle m'a pris ça de Pérez, parce que la police, quand on est plusieurs côtés, même en même temps, là, c'est tout, dans le bloc Grand-Rieur, c'est complètement occupé avec la police. C'est un niveau où Grand-Rieur, vous voulez parler de commissariat jusqu'à ce qu'on arrive dans un rue Clairvaux, comme ça, et vous pouvez sécurité. Voilà, voilà, M. Lille, sur le site de la Sosa Kengé, Matéa, pour Ville-Gonaï. Passez une bonne journée, vous êtes débauché. Oh, M. Lille, vous constatez qu'on fait école, voilà, M. Lille. Vous constatez que vous faites l'école. Que me fait l'école. Moi-même. Bien sûr, parce que j'ai plus de radio qui est évidemment national. Ah. L'école. Eh bien. Très bien, mon cher. Bon, c'est très bien. Nous allons tout. Merci un peu de bonne journée. Bon, merci un peu à Alain Etienne. Rendez-vous dans le journal. Voilà, Alain Etienne qui d'abord nous résumé de qui Jean Larue hier pour matin lundi 22 février 2021 déjà 8h10. Non titan comme Bral et c'est mort cette fois et pour mal regarder qui Jean cité ni ça ça j'ai enlevé comme activité est-ce que week-end était trop est-ce que week-end était exactement pareil à, ou même Jagonaïve ou bien est-ce que était différent. Tout ça, c'est avec Milsa Madius. Non, si tant qu'il n'est pas trop long, nous allons regarder qui j'en ville s'est mal levé. Bonjour Alain. Bonjour tout le monde. Cap Côte de la Zopia, maintenant, oh, et bah, Tibonite là. Dans plusieurs autres communes. Qui n'aime du soleil à lever, vous savez mal? Soleil à lever, très, très, très bien. Et sous ville là. Mais, vous n'avez pas de bonheur, vous savez mal? Il y a trois mounes. Et alors, il y a deux mounes qui blessent pas mal. Alors, qu'est-ce que vous commencez avec Herbie? Herbie, c'est pour moi qui connaît ça bien. Michel a coupé cheveux. En face, rentrer, c'était Vena. Collé-collé avec l'école nationale à Montobia. Qui tout près, Parc Level, entre Parc Level là. Tout le monde sait ma connaît Herbie. Tout le monde sait ma connaît Michel. Michel a allé dans l'activité hier soir, et samedi soir, vous vivez dimanche. Alors, hier soir, pour vous vivez matin. Hein? Et activité à terre plate là. Une activité qu'on est. On a des gens qui ont dormi. Activité là. Eh bien, on va y avoir activité nous. bon, c'est là quand même. Bon, c'est quatrième. Ok. En tout cas. Oui, Wallen. Et puis, mon cher, pendant que je suis quitté l'activité là, pour rentrer la Cali, c'est dans une zone pour aller rentrer dans la ville là. Mon cher, Megamoto, si ma isamoui, je prends deux balles. Non, on va aller prendre un bras droit, un bras qui casse pour être là. Et puis, il y a un qui rafle le bon côté là, comme ça. Mais c'est actuellement à l'hôpital Saint-Nicolas Sema. Après ça, même hier soir, il y a une dame qui va manger, faire manger sur le boulevard de la Liberté. Mais le boulevard de la Liberté, c'est une zone avant l'insécurité. À partir de 6h du soir jusqu'à 6h du matin. Quel que soit manger au besoin, dans la zone boulevard, où venez, quel que soit la qualité de manger au besoin, elle dit que je ne vais pas entendre même. Et bien, dame, ça, c'est un homme qui te prend à faire manger dans la zone, non? Et bien, hier soir, mettre là, et Nega Moto passe. Bon, non, je ne vais pas aller là. Je vis de Basouli. Oh. Je vis de Basouli. J'ai son vraiment. Hello. Grave, vraiment grave. Ça fait insécurité, j'ai dit. Même nous en sortie, on l'a subité dans l'assouet. On nous veille, ça me garde, on veille. Malheureusement, c'est facile pour nous aller dans ce match. Troisième qui est arrivé hier soir,
gen un évangéliste le Vladimir Nilsson. Il se prêche l'évangile pour son dé. Et puis il s'est rentré la calle, même si entré dans la combe. La combe là c'est avant d'entrer dans la ville là. L'enfin quitter l'école Jean-Baptiste coin du sable. Et bien mettre là et on dit bon go machine. Cap sorti pour de père un chat. Et puis qui vient rentrer sur monsieur. Mon cher monsieur allez. Je vais y laver. Je vais y laver. Donc ouais week-end n'a pas pour vous même. C'est situation ça ville là. Après ça va aller grand pile monde qui relève. Qui fait me connaître dans plusieurs zones dans la ville, mon nom est dans pile cartouche, en pile zam, et tiré, sous charrette, et Florence, et Fresino, mon nom est dans pile zam, et dans le week-end. Donc, situation pour qu'on finisse mon net, pour nous contrôler côté, et venir avec qui. Après ça, la circulation a fait normalement, l'aime normalement, moi j'aime ce pour un blocus là, sous Bivéa, il fait 18 minutes dans le blocus. Et l'orchid est colosso pour aller prendre sous pivert. Heureusement, dès que tu as fait virer sous Florenceau, les moins bloqués sous Florenceau bloquent l'école nationale et pivert. Mal viré passé devant colosso et la mine pour bloquer ça pivert net. Malgré la présence policière qui t'a assuré et transport et bien fait circulation dans bloc Kafouna, ça va t'empêcher de mettre un gros gros tonton bloqué. L'aime viré sous Piver et me prendre la machine là, moi circulation en fait plus ou moins bien, malgré les machines, motocyclette, et mais la fait bien. Mais sous chemin 9 la Valence, gen, si bon pile si blocus, dans le chemin 9, ou dans le limo 1, blocus. C'est à cause marché qui va blocus ça yo, marché communal là qui lié, à route nationale limo 1 qui va blocus, mais marché qui est en branche, même j'ai marché dans l'église là, déjà après tout, Valence. Et en pile si moun ba l'école matin. Devrait voir ça depuis vendredi pour dire que jodi a petit moun et mettez sous station gaz yo moi qui fait tout week-end là. Ta ba gaz au niveau de Chilini ça ça gère. Mais de connait pas gaz mais c'est moi station gaz yo a ba gaz plus ou moins que chauffeur d'acti moto yo machine yo fait gaz et puis pour mener activité. Voilà la question, moi, bloc prison, dans deux prisons, qu'il y a et vous avez péché là, même devant l'église catholique, là, moi, go, tonton pilfatra. On go pilfatra, d'abord de la mairie, TPTC, gardez pour ça, café, parce que patra, ça presque pour moitié, et dans route là, et en face, il y a un boulanger de pain, et collé encore, l'église catholique a commencé à gagner le fatra, ça, la mairie, gardez pour ça, nous café, même Jean, Alfatra qui devant ancien manque d'ancien là et beaucoup de kay moun sa yo là toujours gen fatra et devant BNC à tout garder pour nous ça nous capable faire pour éviter fatra mais pendant que nous allons mettre du feu en bas ni de pont yo pont kay mais du pont Pierre nous mettre du feu de gros la fumée en bas pont mon cher si pas gros gens qui fait d'après gen lui et si de pont ça ta tombe là maintenant. Ou bon canapé, c'est Villano, on va l'obliger de passer par la Syrie ou Bonnet. Quand on a plus de difficultés pour circuler dans la ville, parce que trop du feu en bas pour un, trop la fumée en bas pour un. Voilà, c'est comme ça, Villali même, il est venu matin, on vit tranquille. En plus, l'école a fonctionné au matin qui est dans l'embouteillage. La difficulté pour le monde fonctionner normalement. Marché a fonctionné, transport en commun a fait, machine et camionnette a fait le TSMAC. Et pour son dé, après normalement, Bussos et dans Carrefour, dans Rue Geoffroy, a fonctionné. Si machine Pitio, qui n'a pas fait Saint-Maclès, Saint-Magona et Saint-Macaël, Saint-Maclanzac et Deluge Mouri, il a travaillé normalement pour matin. Voilà. Donc, Villa levé tranquille, et tout le monde a mené activité. Et tu as l'air comme ça, banque va l'ouvrir pour bailler et service à monde qui va chercher service là, caillou. En résumé, on capable dire que ville Saint-Marc matin toute activité reprend. Totalement reprend, l'école okay. Reprend et marché reprend, taxi moto, machine transport en commun à travail. Banque, je passe là devant plusieurs banques, ça m'a pas besoin de citer mais on a pile monde en ligne. Et on a dû une banque, pile monde devant une banque. Devant BNC en pile moun, Sojé Bank en pile moun, et Capital Bank en pile moun devant, et puis gen gaz,
toute activité a marché. C'est ma plus grande activité, c'est l'école, oui. Donc, vous avez l'école qui marche dans la rue, tout le monde a fait, depuis que l'école, ça représente un handicap et pour Villa, motocyclette va aller dans le monde. À l'école, qui a plusieurs taxi-moto, qui a un abonnement à élèves. Donc, l'école a représenté un gros morceau dans la question d'activité et dans la sécurité. Donc, l'école a fonctionné, marché a fonctionné, banque a ouvert, bureau l'État a ouvert, toute activité a fonctionné normalement. En tout cas, Wallens, avant moi, les femmes du hier, vous avez une boîte de EDH, oui? Oui. Hein? Comment ça est? Ah, vous avez une boîte de avant moi. Il était 30 000 gouttes. Il était 30 000 gouttes avant moi. Il fait deux mois, je vais payer parce qu'il y a quoi ça, vous faites non? Hier, vous avez une boîte de 29 000 gouttes. Oh. Vous avez retiré 1000 gouttes pour vous? 1000 gouttes pendant que vous faites deux mois, je vais payer. Ça montre à quel point ça est ridicule, voire même stupide. Non, mais c'est vrai. Premièrement, non, moi, au monde qui est Kaili, il n'y a pas injuste qu'il a, il n'y a pas boulé 30 000 gouttes courant. Deuxièmement, si vous n'avez pas payé, qui est 1000 gouttes, ça, qui est-ce qui est tiré? Qui est-ce qui paye le bout? Wallen, est-ce que vous pensez que vous avez moi-même? Oui. Bagabon ni monsieur. Oh. Non mais OK moi je vais vous. Obligé. Non, lui a demandé qui est-ce qui est 1000 gouttes là, 30000 gouttes là. Parce que tu nous dis 30000 gouttes. Bagabon nouveau bord 29000 gouttes. Non, et mettre 30000 gouttes, elle fait deux mois ma paye. Au contraire, elle t'a supposé augmenter puisque dans deux mois, c'est vrai qu'on va y courir régulièrement, mon paradis va passer deux mois, on va y courir cinq fois. Ouais, on va aller là fort là. Vous voulez une opinion? Non, je ne vais pas rappeler, c'est eux-mêmes qui ont fait la première erreur là. Généralement, ici, nous faisons la première erreur, je pense qu'ils sont capables de corriger avec une autre erreur. Mon cher, c'est dommage. Bah, ça, mais moi, dans cette situation, je ne vais pas comprendre. Parce que vous voulez comprendre, et maintenant, vous allez comprendre. Je ne vais pas encore là, je dis. Pour qui ça? Vous allez dire comme la trop toujours? Je vais dire pour vous voyez les comptes. Moi, j'ai 0 kW, je ne vais pas vous dire parce qu'on met 0 kW. Et puis, vous mettez en 175 gouttes. Frère courant, vous devez payer. Oui, 175 gouttes là, les obligatoires, vous payez parce que c'est lui-même qui. Depuis quand tu as plaqué la caille, comme ça va payer chaque mois. Oui, mais il n'y a pas de 29 000 gouttes. Vous mettez de 30 000 gouttes, vous allez. 30 175 gouttes. Oui, non, et l'autre mois passé encore. Déjà, affaire administration publique en Haïti, c'est son véritable problème. Moi, j'ai déjà dit. Et puis vraiment, je vais faire noir, oui. Oui, moi paye 30 000 gouttes courant quand même. Oui, non, il n'y a pas 30 000 gouttes courant, monsieur. 29 000 gouttes courant. Ah. Vas-y, si je pense que je ne vais pas payer, je vais retirer, je vais aller à 200 mètres. Mais tu continues à payer, il y a une levée contre ça. Je vais l'envoyer au matin. Ok. Et puis demain, Mabdo Samuel. Eh bien, va y aller. Mabdo nous. Eh bien, Mabdo, Mabdo, tu vas aller nous là. Passons très bonne journée. Je n'ai pas les demain. Si vous mettez la bonne journée. Demain matin, si vous n'avez pas de compte en frère, bonne journée, bon travail. Dans le pays d'Haïti, dans le dernier temps, ça y est, activité en lien a redémarré encore. Nous sommes capables de dire que il y a plusieurs actes et sécurité capables de développer plusieurs côtés dans le pays. Dans Port-au-Prince, ces zones plus fragiles, et bien samedi qui sont passé là, nous avec un gros âme dans la zone 5e avenue, kidnappé deux techniciens qui sortis dans le pays Saint-Domingue. Ils ont été avec tout, ils ont haïtien qui t'a assuré et pas les créoles pour eux parce que pas les créoles, eh bien, Mounsa yo frappé avec la question kidnapping. Non, information yo, et fait quoi que deux Mounsa yo, même qui action ça, il semblait que t'as passé, il était sorti dans zone Jacques Mel, là, d'après dernière information qui vient de nous. Les que yo kidnappé yo et ça passé samedi dans l'après-midi dans mitan capitale là dans Port-au-Prince machine que monsieur Sayo et donc machine infernal là continue à pas travailler dans pays d'Haïti sans camper. Eh bien yo prend deux citoyens dominicains avec un haïtien axa fait dans mitan samedi 20 février dans Port-au-Prince principalement dans zone qui portait dans 5e avenue Bolos qui trouvait dans sud de capitale là. Information confirmée que agence de presse
parole effet et gagner diffuser nouvelle là responsable compagnie production si cinéma ça qui connaît son nom Mouska Group selon et responsable Dominique Yo ensemble avec Dominique technicien yo et gagner bon côté yo et un haïtien qui t'a pas interprété pour eux-mêmes ravisseur exiger une somme de 2 millions de dollars américains pour capable libérer otage. Donc c'est la première fois que kidnapper a demandé gros comme ça dans pays d'Haïti. Machine que otage était là dedans et bien il était deux et policiers qui étaient escorté machine ça. Pourtant kidnapper yo arrivé quand même prendre citoyen dominicain. Yo. Et d'après ensemble avec un compatriote haïtien qui était dans machine qui t'a transporté matériel, il était utilisé dans cadre d'un tournage qui t'a réalisé dans département sud pays. Dans moment n'a parlé là. Jusqu'à présent, il y a plusieurs otages qui sont toujours en armée ravisseur. Individu qui a gros âme dans que mon n'a cap que mon pas identifié cap opéré dans Port-au-Prince et parmi eux nous capable parler de avocat Nacha Saint-Fleur qui est toujours dans mayo ensemble avec ancien substitut commissaire gouvernement Abdias Edumé qui toujours dans mes ravisseur ça yo mais fon dit gagner porte-parole PNH là Gary Desrosiers lui-même tout qui fait connaître la police pas baissé les rallye devant phénomène insécurité ça ensemble avec Zack kidnapping yo cap remonter chaque jour plus dans le pays. Il y a un phénomène qui l'a guerre en pile qui est cassé dans la population. Nous parlons vite autant des déclarations, porte-parole, la PNH, Gary Desrosiers. La police a dédouané de responsabilité. Nous conscients, problème là, la répété presque chaque jour. Chaque monde dans la population, c'est un policier qui l'a kidnappé, son côté qui a la belle. Et côté qui a séquestré là, il y a des gens qui vivent là-dedans. Nous demandons pour le côté collé pour nous combattre. Phénomène ça, également phénomène qui vient pour être insécurité. Nous avons encouragé les pour veiller avec la police nationale. Nous prenons monde, ou elle, nous prenons monde, la velle. Nous pensons que la population est capable de barrer monde dans la route pour la police même capable de faire intervention. Nous ne demandons pas de la police plutôt pour nous courant, mais nous capable de faire discrètement pour que nous-mêmes nous capables de faire travail. Nous avons des déclarations porte-parole PNH. De l'autre côté, Gary Desrosiers a annoncé que la police doit prendre toute disposition pour reprendre le contrôle sur le commissariat Grand Avenue, que vous n'avez pas de gros âmes, mais vous êtes pris en otage à côté des armées policiers et puis pour aller divers matériels parmi les armes policiers. Inspecteur Gary Desrosiers fait connaître, direction générale la PNH envisage de renforcer effectif à policiers dans le commissariat Grand Avenue. Occasion pour porte-voix PNH, Gary Desrosiers expliquer la police. Police souvent par les faits face carré à Bandio pour éviter dommages collatéraux. Nous allons vite entendre pour une deuxième fois déclaration porte-voix PNH Gary Desrosiers. Pour Gravine, effectivement, nous gagnons plusieurs bandits qui étaient pratiquement grands commissariat et nous sommes en contact avec responsable et la police, ça arrive au niveau technique, n'a pris disposition pour que nous capables de récupérer espace là, n'a noté tout, bien quelques matériels tout que nous avons perdu au niveau commissariat. Nous dit quelques matériels parce que de plusieurs, on connaît que à la situation arrivée, faut que nous allions sur place là pour que nous capables justement faire et un rapport logistique et concernant ensemble de barriques là, mais selon responsable avec quelques matériels. Espace quand vide. Et nous-mêmes, on a pris disposition pour que nous capables d'aller justement et récupérer. Il y a des situations qui demandent encore à corps. Mais l'eau a considéré vivant. Moun ka vivre dans zone ça, dans espace ça, pense que la vie très très important et ça fait parfois si des situations pour éviter des dommages au niveau population hein, nous obligés parfois tout faire retrait. Mais au niveau direction générale, disposition à prendre pour que nous capables de prendre contrôle espace ça. C'est sûr que des policiers, mais policiers doivent avoir un grand nombre parce que si commissariat capable bien en 17 pour 6 policiers ou bien 10 policiers, mais sous bien des groupes armés qui on s'entend, c'est certain que il n'y a pas de détail pour que le capable fait corps à corps. Mais vous, ça va renforcer? Renforcement effectif là, de toute façon, il peut voir tout. Il y a une prise en charge qu'il peut prendre au niveau commissariat, là, sous commissariat, pour que nous sommes capables de renforcer le policier. Et parce qu'on est que la police est demandée un peu partout. Et il y a des côtés, il y a des zones, et même rapport qu'on dit ça tout, il y a plutôt 3-4 policiers. Nous avons des déclarations pour voir PNH, inspecteur Gary Desrosiers. Nous avons dans la ville de Gonaïve, en situation matin, levé très calme, et dans le moment où nous avons parlé là, ville en petit genre désert, dans centre-ville, côté activité complètement paralysée, machin, nous avons abandonné Ganguyon, mais nous pas trop tôt dans le bon marché et communal ville de Gonaïve, puisque nous avons un examen qui a fait au courrier matin, machin, ça, nous avons appris, nous avons alchoué l'autre côté, nous avons qui constaté, surtout dans la zone, et gâteau côté yal mité et marchandise pour vendre.
dans cette ville là nous avons dit puis fort porte magasin était fermé matin, l'école n'a pas fonctionné contrairement à Jean délégué département de Tibonite là et mettre Enoch quand j'ai déjà réussi à te demander ça pour sa fête jeudi. Et bien l'école n'a pas l'ouvri, banque commerciale dans mitan cette ville là tout fermé porte chaud. Magasin yo fermé porte chaud et barricade là toujours dressé bon l'hôpital prophylaxien de constater plusieurs policiers sous rue en dans zone rue Clairvaux côté gè cambisse pas mettre pied même matin cambisse pas venu moun ki kon habitué vinn vendre produit pour toilette tout pas présent dans zone rue Clairvaux même situation pour Rivernet machin yo abandonné zone sa yo. Mais femme donc situation était toujours très tendue puisque hier dans ville Gonaïve attention pas trop bon tout mon examen pas arrivé identifier mettez du phénomène machine direction départementale santé publique là ça passait dans rue Saint-Charles hier dimanche 21 février 2021 dans l'après-midi machine ça qui c'est une Nissan Patrol couleur bleue blanche qui dans service DSA individu qui commet zaksa te gain te bouché figure ça te grand empêcher mon identifier n'a pas appelé mon pas arrivé identifier et moun sa yo mais yo mettez di fait dans local bureau départemental santé publique à tout côté génératrice qui était là pour alimenter local ça te bouler rapide il y a plusieurs autres bureau l'état tant tribunal première instance bureau financement et mairie ville Gonaïve tribunal de paix section sud là tribunal de paix section nord et donc tout ça t'est déjà passé en bas flamme du feu. Vérité sous tambour, c'est toute nouvelle pays à acte nouvelle internationale dans 30 minutes. 63.5 Radio Pyramide, chaque jour, 9h matin. Toujours dans ville Gonaïve, deux monde mourir, l'autre blessé, c'est bilan passage à chat qui était sorti, fait carnaval dans la ville à Port-de-Paix, week-end passé. Hein. Donc, dans le département de la Tibonite, là, accident ça arrive fait à dimanche 21 février 2021. Une chat carnaval ça qui t'a sorti Port-de-Paix, hein, cassé un poteau électrique, bon commissariat Gonaïve, là, qui t'a le tombé son jeune garçon qui mourit sous place. Yon l'autre chat touye yon dans zone et la ronde et dans notre ville Saint-Marc li même tout et donc c'est évangéliste Vladimir Milsan qui mourit sous place. Madame Ni qui était accompagnée lui dans situation trouvé dans situation extrêmement grave après se voir soin dans l'hôpital Saint-Nicolas dans Saint-Marc. Donc monsieur Vladimir mourit qui était quatre petites familles deux jumeaux et n'a pas gagné plus de détails dans l'incident là dans l'autre journal qui gagne pour le passer sur radio. N'importe où presse te gagne gros manifestation qui fait hier sous appel étudiant yo à quelques structures politiques dans opposition plusieurs dizaines de milliers moun prend la rue citoyen sa yo te prend béton hier dimanche là et n'importe où presse dans l'idée pour dire non à la dictature yo dit que président Jovenel Moïse veut établir en dedans pays pour des stratèges yo dénoncer communauté internationale là yo dit qu'il continue à supporter pouvoir tête caléa yo croit qu'a prend une mauvaise direction avec la population haïtienne là. Nous parlons vite autant les déclarations quelques manifestants hier dans Port-au-Prince. Mandat fini, c'est pour aller. Nous-mêmes dans mon pote, nous dit Jovenel, faut qu'on aller parce que mandat fini. Pas gué ou pas boire, mandat fini, Jovenel. Présent secteur démocratique dans la manifestation, c'est pour dire que le peuple haïtien a pris sa position. Et nous, ce peuple a proposition déjà, visé par la dictature. Le peuple a clair dans sa latitude là. C'est pour dire ça que le secteur démocratique est populaire, nous présente. Et nous, vos messages, vous êtes là, vous êtes là, arrêtez cette comédie. Nous sommes là, arrêtez de faire cette face pour vos positions exactes, parce que nous-mêmes nous demandons nous demandons la statue et nous évitons par là la mobilisation. Chaque jour à mobiliser, chaque jour sous béton. C'est la démocratie nationale. Nous ne voulons pas nous clair. Nous ne pas parler de départ de Jovenel parce qu'il n'est plus le président. C'est un kidnappeur. Kidnapper ça lié toute dimension. Les kidnappeurs, nous qui n'a kidnappé pouvoir haïtien. Quand il a kidnappé pouvoir haïtien, non. Nous sommes des communautés haïtiennes, communauté internationale là. Donc, nous même pas pour la démocratie. Je crois que c'est clair que Jovenel viole sa clé. Non seulement la démocratie, il va respecter mon moment de loi pays. Le co-président arrive dans la dimension ça, il faut marquer les pas jure. Donc, le président, ça lui-même son crime. Et crime, il y a son crime. Même si le pays tribunal.
international, international t'a supposé pour ce que ce côté. Nous là justement pour gonfler pour être nous, pour nous voyer un signal clair par le monde entier, pour nous dire que nous-mêmes c'est un peuple qui compte bataille, nous faisons l'indépendance, nous apprenons nous, nous apprenons nous, nous aujourd'hui là, nous gagnons une bonne portion de l'international qui a supporté le président lui-même qui vient casser le pays, lui qui a pris de l'argent, trésor public, faux peuple au Caribe, lui a commis crime de sang contre la population, et bien nous disons au monde, nous disons que le peuple a rejeté le mandat fini, nous parlons de nos corps, et ceci c'est ça que nous prenons la rue à chaque jour pour nous dire. Papa, ici, on nous arrive à nos limites. Nous ne pouvons pas vivre, nous ne pouvons pas continuer à vivre. Et il faut que nous retirions ça et qu'il fait ça dans cette pays qui est le Jovenel Moïse. Justement, pour ne pas payer, nous l'autre visage, visage que l'été gagne longtemps. Nous ne sommes pas ennemis internationaux là, mais nous connaissons l'international là lui-même. Il faut le comprendre. Un bon ami, un bon coopérateur, c'est un enjeu qui veut que nous investissons là où il y a et nous avons tout papa ici pour seul. Faux seul, parce que n'habite pas et n'a pas fait encore. Voilà, c'est déclaration quelques manifestants, mais faut dire que l'air est arrivé sur champ de masse, on a fait manifestation, il y a plusieurs patrouilles, la police qui tape sécurisé foule là, d'après ça, plusieurs monde de constaté, mais les patrouilles ont été gagnées plusieurs côtés sur champ de masse. Quelques heures après rassemblement, force de l'ordre était obligée d'utiliser gaz lacrymogène pour te faire foule là, à le faire autre chose. Malgré l'intervention plusieurs agents de la police nationale, militants, ils ont continué avec un mouvement de protestation, ils ont été capables de faire passer revendication. Après le tout, il y a une présence de quelques artistes haïtiens parmi eux, isolant, break avec 27 roclos. C'est quelques-là d'ailleurs qui étaient venus après béton pour dénoncer la persécution politique que eux même fait qu'on est que ancien maïsien Port-au-Prince Ralph Yuri Chéri a supporté Fondo tout. Il y a l'autre côté, un peu le monde de constater plusieurs autres monde qui étaient venus dans manifestation ça avec des fêtes. Donc, dans ce chemin, je ne dis pas la manifestation, il y a tombé sur important. Son gros dispositif de sécurité que la police nationale a dressé pour empêcher de franchir parage à palais national là. Donc très vite tu as un pile et parole qui t'a fait ou trois t'a envoyé gaz à lacrymogène avec plusieurs balles t'es tiré en l'air. Porte-voix ensemble organisation politique opposition Abel Loreston ensemble avec Edzia Jean-Louis dénoncé dictature dit que président Jovenel Moïse a instauré dans pays là. Acte ça yo croit que chef l'état est pas innocent dans zak sécurité qui a monté chaque jour dans le pays en dernier temps ça yo Abel Loreston ensemble avec Edzia Jean-Louis ba garantie a pas occupé béton jusqu'à ce que président Jovenel Moïse quitte palais national là. Nous parler vite autant de une après l'autre Abel Loreston avec Edzia Jean-Louis. Manifestation politique de l'opposition qui a lancé une grande journée de manifestation jeudi 21 février 2021 pour nous dire non à la dictature, pour nous dire non avec le régime PHTK, pour nous dire non avec le gouvernement Sanguinessa, jeudi à nous la rue, pour nous dire à la journée Moïse, mandat fini depuis 7 février 2021 pour nous aller entrer dans l'inconstitutionnalité. Donc, nous pas président encore, nous sommes de facto, je viens jeudi à son citoyen comme un délégant. Comme un criminel, parce que il y a une gang ensemble avec elle, il y a la police qui c'est police gang qui ensemble avec elle, qui a fait répression sur la population haïtienne. Mais la population haïtienne dit ensemble que y'a pas non, je viens de me dire encore. Je dis là, nous voulons un signal clair dans la communauté internationale là, pour nous dire. Population haïtienne, rejetez Jovenel Moïse, que Moïse par président constitutionnel d'Haïti encore. Qui donc, nous sommes au palais national, puisque il y a une France répressive, et bien du coup, il y a cette année, on y a un dictateur, puisque il connaît quelques hommes, il y a tout le monde. Et nous sommes ça, qui va s'organiser sur la politique de l'opposition, critiquer sa ligne, en tant que national, toute notre organisation politique, tout notre parti politique, dit non à Jovenel Moïse, et ouais, par ouais, pour lui quitter le palais national. Et je dis à Jovenel Moïse kidnappé par le national. Et bien après 7 février 2021, mandat Jovenel fini. Après je dis à nous ma constitution, si le président lié, nous dit mandat fini. Et nous disons ça devant la presse parler et créer télévisé. Nous lui disons quelle que soit ingérence que Jovenel Moïse fait dans le national, car il boule, moun mourir, etc. Tout dommage qu'on a fait sous contre Jovenel Moïse. C'est dans ce sens ça nous-mêmes, en somme organisation politique de l'opposition, petite de Saline, secteur démocratique. Et organisation populaire, organisation Jérémy, organisation Capio, je dis à nous, nous-mêmes, nous ne pouvons pas arrêter ni pour croiser, ni pour jouer. Nous disons, c'est
démission, c'est aller Jovenel Moïse qui prend le national en otage. Parce que nous, aujourd'hui, sorti 86 pour 2021, nous combattons la dictature déjà. Mais je dis à Jovenel Moïse qui n'a pas le national, il veut créer une dictature dans le national. Nous disons c'est bien côté mal calculé, c'est jeune tombé, jeune passé le passé. Couleur chère, couleur grenier, Jovenel Moïse va gagner le ballet national. Plus difficile pour seul monde à prendre décision pour 11 900 000 habitants. Qui c'est Jovenel Moïse, qui c'est un kidnappé, qui c'est un criminel, notre. Nous attendons des déclarations et Abel Loestan ensemble avec Edier Jean-Louis, deux militants dans l'organisation et qui n'a opposition, organisation politique qui n'a opposition tenant la rue ailleurs. Dans la ville Gonaïve, comme situation intérieure, hier c'était un jour calme, pas de manifestation, mais pourtant, dans samedi, il y a une grosse tension qui est établie dans la ville Gonaïve. Côté un pile coup de zame automatique qui a chanté tout partout en bas la ville. Là. C'est machin qui était commencé à retourner à l'avant de machin a couru dans toute direction pour pas de victime. Pendant ce temps ça nèg avec un gros zam nan men yo te gen rigwaz tout nan men yo kale ti machin yo comme ça doit qui t'a dégagé yo dans zone marché communal là. Information autour rapporté gen pile chauffeur taxi c'est ronflé en bas côté rigwaz gen guidi c'est bon bodje qui fait pas faire accident si tellement que yo prend rigwaz nan men moun que yo pas arrivé identifier. Nous va aller vite autant des déclarations quelques chauffeur taxi moto qui ramasse côté rigwaz en bas la ville là et samedi passé. Et la paix n'a pas demandé dans le pays. Et la paix pour les machines, qui arrivent à l'activité. La paix pour élèves l'école, qui continuent à aller à l'école. Et la paix pour les chauffeurs de taxi, qui arrivent dans la ria. Parce que nous avons remarqué, et plus gros bagaille, et plus gros événement, nous ne pouvons pas vivre dans Gonaïve. Côté que nèg avec Rivoise, a calé le chauffeur de taxi. A calé le chauffeur de taxi, qui a occupé l'activité. Et nèg a forcé sur un taxi, fait ça, il n'a pas dû faire. Alors nous disons non. Et nous disons ça, c'est discrimination liée, ça, c'est un mal lié, ça, c'est un crime lié. Parce que nous, chaque graine qu'il a, nous venons vivre. Nous disons oui, nous venons vivre. Nous ne sommes pas là pour nous relever ni vivre, nous ne sommes pas là pour nous relever ni à pas. Seulement nous là pour la paix. La paix, Gonaïve, la paix, Gonaïve, la paix. Josia, nous saluons la presse écrite et télévisée. Côté notre mouvement, c'est le regroupement des chauffeurs taxi moto de la Tibonite. Et par rapport avec une catastrophe économique PIA à avancer, nous-mêmes nous avons choisi de faire un mouvement pour nous demander la paix. La paix à demander là, ce n'est pas parce que nous avons un corps de gouvernement, non, mais nous demandons la paix parce que nous avons un corps d'opposition. Mais nous avons un motocontrat. Nous demandons la paix parce que nous avons un motocontrat, non, mais nous, il y a des machines qui sont dans l'arrière, qui sont dans nous demandons la paix pour la vie à retourner. Après ça, nous-mêmes, nous ne pouvons pas arriver des armes, c'est pour nous qu'on arrive. C'est pour cela que nous-mêmes, nous disons non avec les forces pour nous faire des armes. Je dis à Bala, aller loin. Il y a des qui même forcé avec le chauffeur taxi moto pour aller des armes plutôt. Lorsque nous avons des armes, les gars utilisent Iguaz pour battre le chauffeur taxi. Pourquoi ça, nous arrivons dans le dernier cadre là? Pendant que, il y a un peu de monde qui a dit, et c'est le chauffeur taxi, est-ce que tu es à l'école? Si vous avez un peu de monde qui dit chauffeur taxi par l'école, nous faisons toute sa société à demander pour nous faire. Nous faisons, dans l'école, nous finissons, nous faisons droit. Mais qu'on y a, nous pouvons boire dans le travail. Mais qu'on y a, il y a des individus qui viennent pour faire des armes avec des armes, pour penser, nous, pour nous faire des armes, pour nous prendre la rue. Pourquoi ça, nous disons? Qui ça qui explique aujourd'hui à nous faire un marche pour la paix, et puis nous, et population pas accompagnée dans la rue? C'est toujours comme ça lié. En Haïti, il y a un peu de monde qui vit. Il y a des gens qui disent à bas. Mais il y a des gens qui ont téléphoné au Chita. Je n'ai pas besoin de prendre l'arrière pour y demander. Il y a toujours été dans le silence. Nous même nous disons que nous sommes dans le silence parce que les motos contraires, il y a quelques motos qui commencent à se perdre. Il y a quelques propriétaires qui commencent à prendre moto. Nous sommes obligés de sortir dans le silence pour nous dire que nous ne sommes pas capables. Parce que nous sommes dans l'arrière pour 67$, 70$, nous ne sommes pas capables de manger avec. Parce que lorsque ma machine est forcée pour l'arrière, malgré ça, nous ne sommes pas capables de tous. Nous avons des déclarations, quelques chauffeurs taxi moto qui ont même pris un pile contre Iguaz samedi dans la ville de Gonaïve. Peut-être que ils ont été pris la rue, ils ont même déclaré d'après chauffeur taxi. Il faut qu'on ait que c'est parce que ils ont été dans la rue avec le président Jovenel Moïse dans mercredi qui fait que ils ont mis Iguaz sur eux comme ça dans la ville. Là. Mais c'est pas seulement chauffeur taxi qui ont été pris un coup d'Iguaz. Un pile Timachando ramassé un pile contre Iguaz dans même monde qui était un zam dans la main.
Opposition salue société civile là qui décide de rentrer dans mobilisation contre régime Jovenel Moïse. Maintenant Michel pour comme exemple étudiant chauffeur taxi moto yo l'église protestante là yo tout qui faut école dans bataille là porte-parole secteur démocratique et populaire lancé appel à bail policiers yo pour yo pas obéir à aucun ordre illégal pour mater mobilisation. Nous allons vite autant des déclarations maintenant Michel qui a annoncé toute une série de activités jeudi en manifestation dans Port-au-Prince côté chauffeur taxi moto yo. En entend des déclarations, maître de Michel. La police nationale d'Haïti assume responsabilité. Le policier n'a pas le droit d'exécuter aucun ordre manifestement illégal. Toute manifestation qu'a fait conformément à la loi, la police a une responsabilité pour protéger les manifestants, pour protéger la vie, pour protéger bien le monde à l'occasion de manifestation ça. Malheur un policier qui quitte le pouvoir prendre, elle met en affaire de pression sur le monde. Je demande à tous les policiers d'être responsables. La police est une force républicaine et la majorité policière pas accepté de rentrer dans des ordres là. C'est vrai qu'il y a quelques policiers qui rentrent dans des ordres qui quittent Jovenel Moïse. Mais n'est-ce pas une répression, mais malheur à eux-mêmes. Et nous demandons à tous les policiers de se comporter bien parce que la police, son institution républicaine de maintien d'ordre, n'est pas qu'à nommer pouvoir, n'est pas qu'à nommer opposition. Le boussole, ça qui doit boussole un policier, c'est la loi, c'est la justice. C'est ça qui doit boussole, c'est les bouquins Benamon, l'on va pas agir, bon, c'est police. Je dis à nous très fiers. Au niveau de l'opposition. En ce qui concerne la marge de la mobilisation, nous constatons mobilisation, je veux dire, multiforme et multisectorielle. Je veux dire, ce n'est pas seulement opposition qui a fait mobilisation, ce n'est pas comité mobilisation qui a fait mobilisation, c'est tout pays à qui rentre dans la mobilisation. C'est le pays dans sa diversité, je veux dire, dans la mobilisation. Chauffeur motocyclette, protestant, fédération barreau, le groupe droits humains, syndicaliste, professeur d'école, paysan, jeune femme, tout le monde rentre dans la mobilisation pour respect constitution. Lundi, c'est syndicat. Motocyclette, chauffeur motocyclette, pour faire manifestation, pour faire solidarité avec Zamio, Camaradio, qui ont été assassinés le 14 février 2021 dans Delma 95. C'est une très bonne chose. Dimanche 28, c'est pasteur protestant qui prend l'initiative là, avec Fédération des barreaux, avec groupe droits humains, syndicalistes. Jodia, la mobilisation est multisectorielle. C'est tout secteur dans le pays, diaspora. T'es dans la rue au Canada vendredi et qui débat qui passe là. Bref, c'est tout le monde qui est en mobilisation et nous très fiers de ça. Nous tout remercions, nous remercions ça en pile parce que on va parler de défendre démocratie, défendre constitution. C'est pas affaire opposition, c'est affaire tout le monde et c'est très important et nous très fiers du comportement société civile là qui est engagé Coram Jodia dans cette mobilisation pour le respect de la constitution parce que nous tous nous connaissons 7 février 2021. Mandat constitutionnel Jovenel Moïse fini. C'est pas nous qui étions comme opposition, non seulement tout secteur dans binational la dire, mais le pouvoir judiciaire, co-dépositaire de la souveraineté nationale, et pour une résolution pour dire mandat Jovenel Moïse fini. Nous attendons les déclarations, mais André Michel qui a annoncé mouvement chauffeur taxi. Je dis en plusieurs côtés dans le pays, surtout dans Port-au-Prince, il y a une grosse manifestation chauffeur taxi pour le fait pour Gonaïve, pas de aucun mouvement chauffeur taxi même annoncé. Un groupe chauffeur taxi dans le département sud pays en tout est annoncé après la rue contre équipe en plaçant pour forcer au fini quelques projets qui étaient commencés dans la ville Okaï, comme ça, et l'autre qui ouais mouvement protestation empêcher yo chercher la vie. Plus de détails à correspondant nous Rosbert Adenistan depuis le département sud pays. Citoyens sa yo qui plus occupé yo de fait taxi dans villa attirer attention équipe qui sous pouvoir sur ensemble projet qui était commencé dans département sud là qui pas jamais fini. Chauffeur taxi yo dit Jovenel Moïse comme président qui dans tête pays a te fait quoi ces parlementaires qui t'ai empêché de réaliser rêve sa yo. Nous gon pas quel problème dans sud là que président te dit comme ça que c'est sénateur et député yo qui bloqué mais journée jodi a c'est lui même qui a dirigé qui a dans tête toute bagaille honnête ni la justice toute bagaille entité étatique dans pays a c'est président mais jodi a nous gen problème aéroport gen problème port mais si c'est moun ça c'est opposition qui a bloqué mais jodi a c'est président qui a dirigé c'est lui même mais pour qui ça va faire porter bourré pour la dans sud pour le ban nou aéroport n'a pas département sud là si n'ta gagne porte là port
là il y a un emploi pour toute chaîne qui formée. Même si on paraît divisé sous fin mandat Jovenel Moïse dans tête pays a chauffeur taxi yo di yo même tout yo gen pour prendre la ria pour forcer équipe en place la répondre revendication yo. Mais je dis à tout, si on dit pas qu'il y a une manifestation, mais très bientôt nous-mêmes, nous allons manifester parce que le président Claire Jodia, pas de sénateur, pas de député, pas de juge, nous allons manifester dans le sud nous-mêmes pour demander l'aéroport avant l'élection en fait. Je ne sais pas, ni mandat président final, ni mandat président parfait. Ça, c'est pour moi, il me demande. Moi, je me dis toujours tout ça. Les jours que l'opposition est là, la mano seule bagarre, votre tableau, la même comme ça, et pour l'international là. Pour l'international là, là-dedans, moi, je me mets la tête parce que ça, c'est pour moi. Imaginez un président qui dit que ça mandat va finir. Si le mandat président va finir, il faut qu'il agit. Vous voyez le président même agir. Le président dit que ça mandat va finir. Qui action? Pas de action dans le pays. Comme ça, tout, il y a l'autre qui paraît trop clair dans la mobilisation qui a fait à travers le pays. Chauffeur taxi, ça a dit, manifestation qui a fait dans la ville là, de temps en temps, il y a une grosse conséquence sur l'activité, ça qui la cause, il n'y a pas même de moyens pour les petits qui ont mangé. Mais vous savez que c'est dernière information. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là et toujours songez pour activer petite cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.